Tu savais qu'il existe une liste des espèces les plus recherchées sur la planète ? Allez, viens, on va prendre un petit shot de curiosité. Il y a quelques années, la Global Wildlife Conservation a compilé sur une liste des espèces animales ou végétales couvrant plus de 160 pays dans le cadre de la recherche d'espèces perdues. Mais c'est quoi une espèce perdue ? Genre, elle était là et... pof, perdue ? Ouh ! Il s'agit en fait d'espèces qui ont été répertoriées par écrit ou par observation à l'état sauvage pour ensuite disparaître des radars pendant au moins 10 ans. C'est un peu comme quand tu perds ton chat et que tu mets un avis de recherche. En fait, les espèces se perdent pour plusieurs raisons. Soit à cause de conflits entre l'humain et la faune, comme la destruction de ses habitats ou le braconnage, soit parce qu'elles évoluent dans des zones d'accès complexes pour les scientifiques, soit en raison de leur cycle de vie. Et sur ces 1200 espèces, 25 ont été catégorisées comme étant les plus recherchées au monde. Cette sélection cherche à couvrir tous les taxons et écosystèmes de la planète, y compris les espèces terrestres ou aquatiques. Et elle comprend 10 mammifères, 3 oiseaux, 3 reptiles, 2 amphibiens, 3 poissons, 1 insecte, 1 crustacé, 1 corail et une plante au travers de 18 pays. Des expéditions scientifiques sont lancées ponctuellement afin de retrouver la trace de ces espèces. Et sur la liste des 25, 6 ont déjà été retrouvées. Grâce à ce programme, cet été, la musaraigne à trompe de Somalie a été redécouverte lors d'une expédition aux alentours de Djibouti, alors qu'elle avait disparu depuis plus de 50 ans. Et le 30 octobre dernier, Global Wildlife annonce que des scientifiques ont redécouvert lors d'une expédition à Madagascar une espèce de caméléon n'ayant plus été observée depuis 1913. Le caméléon de Voelskov. Comme quoi, lorsque tout semble perdu, de grandes expéditions peuvent raviver l'espoir, y compris pour des espèces n'ayant pas été aperçues depuis des décennies. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, mettre la cloche, et puis on se revoit bientôt pour un prochain shot de curiosité.